Coucou tout le monde. Coucou mes amours. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Ici, et je suis en train de dérégler la luminosité. Voilà. Maman, la jalousie de l'homme noir. Vous savez, quand ça ne vous arrive pas, vous ne pouvez pas comprendre. On a beau vous prévenir, on a beau vous sensibiliser, mais quand quelque chose ne t'arrive pas, tu ne te sens pas concerné. Merci de partager ce direct, afin que ça n'entre pas dans les oreilles des sourds. Je vais tout simplement... Maman, j'ai un téléphone que je ne maîtrise pas. Ça décide lui seul de donner la lumière. Lui seul, ça décide, lui seul, ça fait des choses. Encore un cas d'empoisonnement au Cameroun. Tu n'allumes pas. C'est Kaïdoudou. Faire un direct avec Kaïdoudou, c'est très difficile. Encore un cas d'empoisonnement au pays. Moi, je dis tous les jours ici, à la diaspora, que tu sois Camerounais, Ivoirien, Congolais, Burkinabé, Gabonais, quand tu vas en Afrique, il faut faire très attention. C'est vrai que on ne sait jamais d'où sort la mort. Mais quand tu vas en Afrique, il faut faire extrêmement attention. Parce que l'homme noir est devenu aigri. Quand il voit que tu as réussi, lui, son cœur devient... Quand il voit que toi, tu as réussi, lui, son cœur devient plus noir que sa peau. Et que son cœur devient plus noir que sa peau. C'est comme ça que l'homme noir est. Donc, je dis généralement que... Merci, mon amour. Quand vous partez en Afrique... Éviter d'aller manger, même chez le voisin que tu as laissé, que vous entendez bien, et que tu es parti en Europe là. Quand tu rentres, ne pas manger là-bas. Même s'il était gentil. Je sais faire mon direct, tu me donnes le bon. Même s'il était gentil, évite d'aller manger là-bas. Parce que tu vas voir tous ces victimes-là, malgré la sensibilisation. Malgré le fait qu'on dit qu'il y a l'empoisonnement au pays, les gars tombent seulement comme les petits pains. C'est quoi son imbenguiste? C'est tous les benguistes. Tu entends que l'autre est quitté du Canada pour aller se marier. Pop, il est tombé. Tu entends que l'autre est parti, il était aux États-Unis. Il a fait 10 ans aux États-Unis, il vient fêter avec sa famille. Tu entends que tout le gars, il est tombé. Tu entends que l'autre est parti boire au bar avec ses amis de confiance. Tu entends que tout, il est tombé. Et que les gens tombent comme les poulets de ferme. Les gars tombent comme les poulets de ferme. C'est pourquoi l'homme noir, est généralement, il est comme ça. Envieux. On est devenu te demander à toi que comment tu as fait, maman. Comment tu as fait pour réussir, va s'asseoir derrière là, non. Elle a réussi, elle a trempé. Parce que chez le noir, tout ne se fait jamais normalement. Il dit que tout ne se fait jamais normalement. Quand vous partez au Cameroun, ou quand vous partez en Afrique en général, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne mange pas chez le voisin, mange seulement la nourriture que ta mère t'a donnée. Si ta mère n'est plus au pays, mange dehors. C'est mieux que tu peux au restaurant, tu t'assois. Parce que généralement, les benguistes ne font même pas 2 mois au pays. Les benguistes, quand ils viennent au pays, c'est vite fait 2 semaines, 1 mois ou trop. Parce que quand le foirage commence à sonner à la porte, là, le benguiste, lui, il est malade. Il préfère venir souffrir ici en Europe que de souffrir au Cameroun. Donc généralement, le benguiste, lui, il fait 2 mois... 1 mois, donc il a trop fait. C'est 2 mois. Maman, tu marches avec ta bouteille. Tu marches. Kaïda, laisse-moi ça. Tu marches avec ta bouteille d'eau. Ma cousine est au pays. J'ai dit que maman, comme j'ai échappé là, ma soeur, échappe. Si tu vas aller boire, tes amis t'invitent à aller boire. Tu fais comme les wesh wesh ici là. Les wesh wesh prennent des bouteilles d'eau. Ils mettent l'alcool dedans avec le jus. Il se balade avec toute la journée, il tongo. Si tes amis t'invitent, achète le Chivas, tu achètes le Jack, tu achètes la boisson, tu achètes la boisson alcoolisée. Ton ami t'invite, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta bouteille là, que tu amènes là comme ça là. Tu mets l'alcool là dedans avec le jus. Quand tu pars pisser, tu pars pisser avec. Quand tu pars, tu marches avec comme ça, comme ton porte ça, comme ton porte-monnaie. Ainsi, tu vas éviter l'empoisonnement. Parce qu'on ne sait pas d'où ça sort. On voit seulement comment les gens sont en train de tomber comme les poulets de ferme. Je dis bien malgré les préventions qu'on prend ici sur Facebook pour pouvoir expliquer les choses aux gens. Toi, tu as quitté en deux
trois ans, tu as construit l'immeuble de ta mère. Ta voisine va être là comme ça, va être jalouse. Elle va passer dire que tu torches les fesses des vieilles mères ici là. Que tu humes les odeurs de caca. Que tu humes la merde ici. Que tu passes le temps dans le froid. Dans ton grade. Dans ton... Toute la température, que ce soit l'hiver, autant, tu passes ton temps à charbonner. Elle ne sait pas comment tu souffres pour avoir cet argent. Quel sacrifice! Comment tu te sacrifies pour aller construire ce que tu as construit là? D'autres vendent, d'autres sont à la maison comme ça avec le what? Tous les jours, on l'oblige, on l'oblige, ma nièce avec le chien. Vous connaissez ce que les gens traversent ici en Europe pour avoir l'argent? Quand vous voyez les gens viennent soulever les gratte-ciel en Afrique, là, vous savez ce qu'ils vivent ici en Europe? Vous savez par quel chemin ils sont passés ici là en Europe? Parce que quand vous allez vous asseoir à payer, vous allez croire que... Quand elle dit tous les jours que l'Europe, ce n'est pas le paradis. D'autres vont s'asseoir et dire que tu fais quoi là-bas? Je suis déjà noyée, ma soeur. Je suis dans la mer, je suis noyée. Tu veux que je sois fait quoi? Et nage seulement. Je suis en train de nager. Parce que d'autres pensent que ici là, c'est l'Eldorado, ce n'est pas le lait. Quand je suis au Cameroun, je prends le poids. Dès que je viens ici en France, dès que tu ouvres la boîte au lait, les factures. Les factures te font même la dépression, peut te prendre à cause des factures. Les impôts, les factures, tu ouvres ton compte, tu avais 200 euros, pop, on est à l'impôt, il est venu se chercher, il est venu récupérer. Vous savez ce qu'on a enduit ici là? Parce que moi je ne comprends pas comment l'être humain, au lieu de réfléchir sur ton propre avenir, tu réfléchis comment tu vas détruire seulement ton frère. Tu réfléchis comment tu vas prendre l'argent de ton frère, tu vas manger. Hein? Les benguistes là, quand vous partez au Cameroun, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères. Vaut mieux se protéger. Un homme averti en vaut deux. Tu allumes là. Je parle comme ça, le gars, s'il me montre ses dents. Hein. Si tu allumes, tu vas voir. Je veux toi-même allumer tes fesses. Si tu allumes, tu vas voir. J'ai dit un homme averti en vaut deux. Quand vous partez au pays, mon frère, tu n'as plus d'amis. Tu n'as plus de frères. Tu n'as plus... Je marchais avec des copines. J'ai dit que maman goûte. On nous sert le cocktail. Non, j'ai dit que ma soeur goûte d'abord. Oui. Je dis que je marche avec ma copine que j'ai laissé tout. On me sert le cocktail et dit à ma copine qu'on goûte d'abord. Si elle ne goûte pas, je vous jure au nom de Dieu, je ne goûte pas. Et que ma soeur goûte d'abord le porc que j'ai commandé dans nous. On mange à deux. Le porc arrive, je mélange. Le porc arrive. Le porc arrive, je mélange le porc. Hein? Je mélange le porc, on mange à deux. S'il te plaît, je suis en train de faire mon direct. C'est vrai que quand on a accouché. Est-ce que Facebook, hein? Facebook, c'est mon travail, hein? Chut. Hey, tu vas aller au salon? Bon, tu t'étais alors. Tu t'étais pas, tu peux au salon. Je parle ici. Oui, je parle. S'il te plaît, je veux plus que tu parles. Donc, j'étais donc en train de dire ceci. Quand elle est pas au Cameroun, on me sert le cocktail. Je dis à ma copine que goûte d'abord. Quand elle a goûté, moi aussi maintenant, elle peut boire. Parce que je sais que si elle a goûté, si elle a le poisson, elle ne va pas goûter. Moi aussi, elle peut boire. On achète le porc. Je ne prends pas le porc individuellement. On met dans l'assiette, ma soeur. Moi-même, je malaxe le porc. Tu piques, je pique. Tu piques, je pique. Tu arrêtes de piquer, je ne pique plus. Et c'est comme ça. Parce que tu ne sais pas où ça sort. Tu ne sais plus où ça sort, les histoires d'empoisonnement là. Tu ne sais pas où ça sort. Même ta cousine. Merci Gabi qui vient d'envoyer 490 étoiles. Merci beaucoup pour les étoiles. Envoie-le au salon. Est-ce qu'il écoute? Il va partir au salon, il va revenir. Tu ne sais plus. J'ai dit que vous ne connaissez plus. Même dans ta propre famille, on peut t'envier jusqu'à te tuer. Même dans ta propre famille, hein, on peut passer par les membres de ta famille pour te donner. Moi, je mange. Quand je mange, je dis que goûtez d'abord. Vous ne goûtez pas, moi aussi, je ne goûte pas. Maman, la vie qui est bien, c'est là. Vois les gens. Oh, Seigneur Jésus. Je vais aller le fermer dans sa chambre. Hé, je suis sur Facebook, je travaille, hein. Donc, j'étais en train de dire ceci, mes amours. Merci Stéphanie Foka qui vient d'envoyer 200 étoiles. Merci pour les étoiles, merci pour le soutien. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des étoiles c'est
c'est des soutiens qui se transforment en argent. C'est des soutiens qui se transforment en argent. Je vais vous parler de la monétisation de Facebook plus tard. Donc, Melion, mon frère, quand tu es dans la tombe là, non, tu es à capote. Si je savais, bien toujours trop tard. Vaut mieux. C'est ma perruque que tu veux, c'est 95 euros. Vaut mieux être prudente. Un homme averti en vaut deux. Merci KS qui vient d'envoyer des étoiles. Ah ouais, mais merci pour les étoiles. Alain Saka qui vient d'envoyer des étoiles. Là, on a mis 270 étoiles. Merci beaucoup. C'est devenu très grave. C'est devenu très, très, très grave au pays. Ça donne la chair de poule. Me voici, je suis en train d'aller pour la canne. Mais je ne sais même pas. Mais moi, je n'ai pas honte. Moi, je vous dis. Moi, je suis en train d'aller pour la canne. Mais je n'ai pas honte de demander à mon frère ou à ma cousine qu'on goûte d'abord. Tu goûtes, je goûte. Tu ne goûtes pas, je ne goûte pas. C'est comme ça ne chauffe pas. Parce que si je savais, vient toujours trop tard. Si tu veux faire le comportement, je m'en fous de ce que ma copine va penser de moi. Je dis que je m'en fous de ce qu'elle va penser de moi. Ma sécurité avant tout. Ma sécurité avant tout. Je ne dors pas n'importe où. Je ne dors pas n'importe où. Parce qu'il y a d'autres qui organisent, ils t'envoient des bandits venir t'agresser. Hé, l'homme noir, je vous parle de quelque chose. La réussite des uns, c'est seulement d'autres sont seulement là comme s'ils attendent que tu réussisses. Pour pouvoir t'en... Et que souvent tu as des problèmes comme ça, comme vous allez voir par exemple sur Facebook, hein, quelqu'un va venir commenter, c'est une de mes amies, anciennes amies qui va venir. Donc, quand tu pars au pays, moi je marche avec ma bouteille. Quand vous dites que les benguistes sont toujours avec les tanguis, oui. Je marche avec ma bouteille où j'ai déposé là, je laisse. Je m'arrête au prochain kiosque. J'achète encore une autre bouteille. Je laisse ainsi de suite. Quand je fais mon chemin. Si j'ai déposé la bouteille, c'est sur parti. Je reviens, ne bois plus. Je vais mourir pour 250. Parce que la bouteille d'eau, c'est 250. Le machin on peut te mettre ça dedans, c'est vite fait. Je vais mourir pour 250. Je vais mourir pour combien? Donc, dès que quand je bois là, que j'ai déposé, je suis allé pisser. Je reviens et ne prends plus. Je ne prends plus. Quand j'invite mes amis en boîte de nuit, quand on part en boîte de nuit, j'ai ma part dans. Si j'ai déposé mon verre, maman, je ne consomme plus de ce verre-là. Je ne consomme plus dedans. Parce que l'homme noir est méchant. Je ne généralise pas. Mais la majorité sont méchants. Comment vous expliquer que des gens quittent? Merci KS pour les étoiles, mais KS, tu as décidé avec les étoiles, KS envoie les étoiles, c'est man disordre. Comment vous expliquer que des personnes veulent aller en Afrique, être en harmonie? Parce que quoi qu'on va dire, quand tu es ici en Europe, quand tu rentres au pays, merci Ornella qui vient d'envoyer des étoiles aussi, nous sommes à 2000 étoiles. Quand tu rentres au pays, tu as une chaleur que tu n'as pas ici. Qu'on ne se mente pas. Quand tu es ici, là, tu viens, c'est un stress. Tu vis quelque chose qui est inexplicable. Quand tu rentres en Afrique, tu retrouves la chaleur. Le fait de voir des gens en bordure de route. La musique, ça te déstresse même. Ça te fait oublier même tes soucis. Qu'ici, là, ici en Europe, tu peux faire même 2 ans, tu ne vois pas ton voisin. Tu peux faire 2 ans, tu ne sais même pas à quoi ton voisin ressemble. Mais tu es au pays. Tu es un peu stressé, tu pars, tu t'assois au bar. Tu consommes ta bière ou ton jus. Tu vois, les gens passent comme ça là. Et la vie continue. Et la vie continue. Les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. J'ai dit tous les gens ici aux gens que l'Europe, c'est pas le paradis. L'Europe, c'est comme on vous montre, c'est des gratte-ciel qu'on vous montre là. L'Europe, c'est pas le paradis. D'autres vont s'asseoir et dire, Aïcha, pourquoi tu ne rentres pas? Je ne peux pas rentrer. Je rentre pourquoi vous, encore, vous puissiez vous moquer de moi. Hein? Je parle du cas de beaucoup de personnes. Hein? Parce que quand tu vas venir, ça, tu vas dire aux gens que c'est dur. Ce qui est sûr, comme je le dis souvent, en Ben, tu as le moyen de t'en sortir. Même au pays aussi, tu as le moyen de t'en sortir. C'est vrai qu'au pays, c'est un peu plus dur. C'est vrai qu'au pays, c'est un peu plus dur. Mais dites-vous que les gars, quand vous asseyez au Cameroun, vous entendez que, par exemple, je vous prends un exemple, Aïcha touche 2000 euros. Sur 2000 euros que moi, je veux toucher, et je vous prends un exemple, sur 2000 euros, je vais payer mon loyer. Seulement mon loyer, c'est 700 euros que je vais payer. Il va rester combien? Il va rester 1300 euros. Hein? Tu dois payer les impôts 20%. 20% de 2000 euros, là, c'est combien? Donc, disons 200 euros. Il te reste 1100 euros. Sur 1100 euros,
tu dois retirer au moins 500 euros pour faire les courses. Parce que tu dois manger. Tu dois bien manger. Et ceux qui mangent à l'eau africaine, tu dois même mettre même plus. Parce que l'africain est très cher. Donc quand tu fais un budget comme cela, tu dois manger dedans. Tu dois les charges. Quand je dis les charges, c'est l'électricité, les assurances de la maison. Après les assurances de la maison, l'eau, la cantine des enfants, parce que c'est en fonction de ton salaire qu'on te facture. La cantine des enfants, là, tu es peut-être même petit. Ça dépend de ton salaire, comme je peux dire. À la fin du mois, tu te retrouves à économiser peut-être seulement 300 euros. Donc, en fait, tu vis dans le maintien. Parce que quand vous entendez des gros chiffres que votre tête touche 1 million en France, vous pensez que les 1 million entrent dans sa poche directement. Mon frère, quand les 1 million, quand 1 million, tu ouvres ton compte en banque, tu vois qu'on est à couper, couper, couper. Chaque personne est venue chercher pour lui. J'ai oublié les factures de téléphone. J'ai oublié plein de choses que j'oublie. Dans l'Europe, c'est que c'est le maintien. C'est le maintien, mais le stress peut nous tuer ici. Il y a des filles ici en Europe qui font 6 mois sans voir le mbit. Kaidou Douane ne dit pas les gros mots. Elles font 6 mois ici. Elles ne voient pas le mbit. Parce que quoi? Tu sors, tu pars travailler. Tu rentres à la maison, tu es fatigué. Tu sors, tu pars travailler. Tu rentres à la maison, tu es fatigué. Même chercher le mbit. Tu vois, la majorité sont avec le caoutchouc à la maison. Chaque soir, elles se mettent ça. Elles se mettent ça bien. Hein? Elles se chouquent le caoutchouc. Tant que dès qu'elles jouent, elles se couchent et dorment. Elle se couche et dort. Je vous ai dit récemment que je rentre au pays bientôt. Pourquoi? Parce que la vie de l'Europe, c'est le stress, ma soeur. C'est le stress. Faut vivre en Europe pour comprendre. Tu allumes encore, ça va t'allumer aussi. La fin, maman, que la fin du mois arrive, je dois payer la taxe foncière. Je dois payer la taxe d'habitation. Vous restez en Afrique et dites même que, mon frère, vous pouvez m'aller cultiver, vous manger, vous n'avez pas de souci. Ben, c'est la tombe des géants. Donc ne voyez pas quand les gens viennent en Afrique, vous pensez que non. Ils sont ici en Europe, ils ramassent l'argent, vous voulez seulement les tuer. Quand vous les tuez là, vous profitez quoi? Parce que quelque chose qui est pour moi, 300 euros pour économiser, c'est même beaucoup. C'est même beaucoup sur quoi? J'ai oublié l'horaire. Vous me parlez même de quoi? 300 euros c'est quoi? C'est même beaucoup la voiture. Il faut mettre le carburant. Tu finis de mettre le carburant. Il faut acheter l'assurance. Il faut l'entretien. Maman, vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? 300 euros, c'est beaucoup. Mais tu peux aussi rester au Cameroun, tu travailles ça. Arrêtez-moi vos histoires là. Tu peux rester aussi en Afrique, tu travailles ça. Prenez alors la main, prenez la main. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un que ne prend pas la main. Prenez la main. Comment vous parlez? C'est que, wow, je maîtrise. Maîtrisez. L'océan Atlantique vous attend là-bas. La mutuelle, le transport, l'assurance, maman, j'ai oublié ça. Il faut la dire. Venez en bain. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de venir en bain. Il faut que vous puissiez venir voir. Pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, lumineux, sans hydroquinone, sans produits ghanéens, sans se décaper la peau, il faut faire confiance à Camoise Beauty. Me voici devant vous. Sans masque, sans filtre, sans make-up, sans rien du tout. Le teint, il est authentique. Il n'y a pas de parties noires et blancs. Ça ne vous donne pas... Les filles qui ont le Kamnogo, le Kwashoko encore. Voici le produit qui va vous enlever toutes ces imperfections sur le corps. Celles qui sont noires, chocolat, ça c'est pour vous. Ça c'est la gamme chocolate qui est adaptée à la peau ébène. Ça te permet d'entretenir ton teint, de te donner de la luminosité. Parce que comme je vous explique tous les jours, plus tu prends de l'âge, plus ton nez, tu perds de l'éclat. Plus tu n'es plus éclatante, tu n'as plus une beauté éclatante. Ta beauté, elle est fade. Le minyanga que tu mets sur toi te rend fade. Donc, il faut des produits adéquats. Je précise bien que ça ne te décape pas. Ça ne te rend pas fanta coca. Ça te permet d'avoir de l'éclat. Je te dis que quand si tu as ton gars, que ça fait 6 mois, son pénis ne se lève pas. Ma soeur, il faut oindre Camoise Beauty. Dès qu'il va humer l'odeur, juste l'odeur, les veines qui étaient là-bas, qui étaient endormies, vont immédiatement se réveiller. Je dis, si ça faisait des mois, il ne te touchait plus. Il ne te regardait pas. Juste l'odeur, parce qu'il y a l'huile d'onction dedans. Juste l'odeur de Camoise Beauty va faire en sorte que les veines qui étaient enfouies,
qui étaient endormis en bas de ses testicules vont se relever, vont se réveiller. Il va être viril comme un petit garçon de 16 ans. Il va te cogner jusqu'à toi. Moi, tu vas appeler la police que venez me retirer dans les mains de ce gars. Je vous parle de quelque chose. Arrêtez d'utiliser des produits qui vont vous décaper, des produits qui vont vous rendre Fanta Coca, des produits que ici, là, tu es rouge, ici, là, tu es noir. Maman, utilise des produits Camoise Beauty qui respectent les normes européennes. Tu prends ça, tu parles chez ton dermatologue, il va te conseiller que ma soeur, n'oublie plus jamais Camoise Beauty, c'est ça que tu dois utiliser. La pause de publicité est finie. Donc, nous avons la gamme chocolat et la gamme caramel. Ça, c'est pour celles qui ont un teint noir et ben, je précise. Nous ne faisons pas encore l'apologie du décapage. Peut-être que ça va arriver parce que moi, je cherche l'argent. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore en audience. Ça, je vous le dis tous les jours. Donc, ces deux produits-là, ça t'illumine, mon frère. Et que ça te nettoie jusqu'à voir comment mes lèvres sont roses. Même les lèvres de mon gésier, comme ça. Si je manque, tu envoies ton oncle qui a l'argent. Je le montre, il vérifie. Et il touche même. Il peut toucher. Il n'y a pas de souci. Donc, mes lionnes, tout simplement pour vous dire que il faut être très prudente quand vous allez en Afrique. Il faut être extrêmement prudente quand vous allez en Afrique. Parce que, maman, c'est devenu très dangereux. C'est devenu très grave. Les gens tombent comme des fourmis. Les gens tombent comme les chenilles. Les gens tombent comme les asticots. C'est devenu très, 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 très grave avec la jalousie en Afrique. Donc, protégez-vous. Que ce soit ton ami de longue date qui t'envoie aller boire. Mon frère, porte ta bouteille. Porte ta bouteille, tu marches avec. Dès que tu te poses, ne consomme plus. On a vu un gars ici là, qui est parti au bar avec ses amis, il a bu. Comme il a bu, non? Il est rentré chez lui, il a commencé à vomir le sang. Comme il a vomi le sang, là, comme ça, après, c'était à l'hôpital, le gars est mort. Diagnostic empoisonnement. Voilà une fille qui a quitté des États-Unis, qui n'est pas à se marier. Pop, pop, après le mariage, la fille est tombée. Diagnostic empoisonnement. Je veux citer qui, laisser qui. Il y a beaucoup qui n'ont pas vu 2022. Je veux citer qui et laisser qui. Il faut être très prudent. Il faut être très prudent. Oh. Voilà ce que j'ai dit. Oh. Je suis en train d'aller à la CAN. Pour la CAN. Et je sais que beaucoup de Camerounais seront au Cameroun pour la CAN. Et beaucoup d'autres Africains seront au Cameroun pour la CAN. Donc, quand vous partez pour la CAN, là, soyez très, très prudents. Parce que ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Le poison, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Il faut perdre dans ta tombe avant de dire que si je savais. Si je savais, vient toujours trop tard. En bon entendeur, salut. Je vais toujours parler. Mon frère, il y a le souffle pour ça. La gamme caramelo coûte 130 euros. Pour celles qui me demandent la gamme caramelo. La gamme caramelo coûte 130 euros. La gamme chocolate coûte 117 euros. Pourquoi 130 euros, 117 euros? Parce qu'ici nous avons 500 ml et ici nous avons 300 ml. Ici nous avons exactement 300 ml. D'où la différence des prix. Et aussi les intrants qui sont utilisés dans ceci sont un peu plus chers. D'où aussi la différence des prix. Parce qu'il y a des instants qui sont un peu plus chers. Je vais vous prendre un exemple. Actuellement, la gamme Shine qui est en train d'arriver. Nous avons un gommage à base des feuilles d'or 24K et à base de pépins de papaye. Pour trouver les pépins de papaye là, c'était très compliqué. Et je veux aussi dans le gommage des pépins de papaye. Donc, les prix diffèrent en fonction des instants qu'on utilise. Plus les instants sont chers, plus les produits sont chers. Plus les instants vont augmenter, plus les produits vont augmenter. Donc, les prix diffèrent selon les instants qu'on utilise dans nos produits. Je ne vois pas les étoiles dans mon téléphone pour t'envoyer. Oh, dommage. Dommage, ce n'est pas grave. J'ai eu 2000 étoiles aujourd'hui. Merci à Méliane. Et on se retrouve au prochain direct. Et ma mère, j'ai des commandes. Maman, j'ai des commandes des clientes au Sokoto. Vous comprenez, non? Maman.